L'Europe est au même moment en train de se penser en tant qu'elle est constituée par des nations différentes et qui cohabitent dans cet espace géographique. Et que, d'une certaine façon, les Juifs s'affirment à travers le même type de narration. Le sionisme politique, lui aussi, est une forme de rejet de ce modèle émancipatoire. Il repose d'ailleurs sur une critique très virulente des promesses illusoires de l'émancipation, sur l'idée que l'émancipation, que les Juifs ne seront jamais pleinement intégrés dans les sociétés environnantes, et que la seule manière de réaliser une possible conciliation harmonieuse entre l'appartenance à l'État et l'appartenance au judaïsme, c'est-à-dire, pour aller vite, entre le politique et le religieux, c'est de créer un État juif, c'est-à-dire de réunifier, mais ailleurs, ces deux dimensions. Le sionisme a cristallisé un changement de cap. Et ce nouveau modèle a entretenu un rapport ambigu avec l'Europe. À la fois, il est très européen, imbu de culture européenne et bien sûr très marqué par les idéologies qui se sont développées en Europe à la fin du 19e siècle. Et dans le même temps, le sionisme entretient aussi un rapport d'amour-haine à l'égard de l'Europe. Léon Pinsker, un juif russe, qui le premier dira à l'ordre du jour pour le judaïsme, ça n'est pas l'émancipation, mais l'auto-émancipation face à la montée de l'hostilité. Il ne s'agit pas de se plier au projet émancipateur, mais il s'agit de trouver un moyen pour les juifs de se donner à eux-mêmes les éléments pour se libérer collectivement. Sur ce proto-sionisme va se greffer un outsider au départ, hein, un journaliste autrichien, tout ce qu'il y a de plus intégré, qui s'appelle Théodore Herzl, qui assiste à l'affaire Dreyfus en France, qui est au début en tout cas de l'affaire Dreyfus, qui est assez estomaqué que ça puisse arriver en France. L'idée de base, c'est que l'antisémitisme est très difficilement guérissable, en définitive. On a fait des expériences qui l'ont prouvé. Il dit pas complètement inguérissable, mais c'est pas loin, hein. Et donc, il n'y a qu'une seule solution, il faut que le peuple juif, en tant que peuple, se normalise. Si vous voulez, l'émancipation, c'était la normalisation de la condition de l'individu juif. Maintenant, c'est le peuple juif, puisqu'il conçoit, il dit qu'il y a un peuple juif qui a survécu à 2000 ans d'exil, et que ce peuple doit normaliser son existence, c'est-à-dire être comme les autres, et donc avoir un territoire à lui, avoir sa langue, et vivre pour former un État. En écrivant l'histoire d'une nouvelle, leur histoire d'une nouvelle manière, eh bien, les Juifs d'Europe s'inscrivent, les Juifs qui vivent en Europe et qui produisent cette histoire s'inscrivent dans un phénomène qui est un phénomène européen. Dès les années 1870, une partie de l'intelligentsia juive russe remet en question cet idéal assimilationniste et considère que la solution à la question juive n'est pas d'éduquer les juifs, de les régénérer, de les transformer, mais que la question juive se pose en termes sociaux et économiques. Dans les pays d'Europe orientale, on ne peut pas penser l'émancipation des juifs sans penser l'émancipation de tous les opprimés de la terre. Et donc, ils rejoignent des mouvements révolutionnaires dont ils participent d'ailleurs à la fondation pour beaucoup. Il n'y a pas que les mouvements nationalistes juifs. Les juifs sont révolutionnaires, partie prenante de tous les mouvements révolutionnaires, de toute la palette qui se met en place à partir de la fin du 19e siècle et qui dure jusqu'à la révolution bolchévique de 17. Dans les années 80-90, avec l'arrivée du marxisme dans l'Empire russe, une partie des intellectuels juifs se tournent alors d'abord vers le populisme russe dans les années 70 et puis après créent leur propre forme de populisme juif et puis ensuite se marxisent, si on peut dire, dans les années 1890 et ça donne naissance à ce qu'on a appelé le bundisme, donc une forme de socialisme juif, de mouvement ouvrier juif qui fait partie de la social-démocratie russe, donc qui est une branche de la social-démocratie russe. Donc tous ces partis politiques se retrouvent autour de l'idée d'autonomie nationale culturelle, qui est vraiment en fait une invention
centre-est européenne. Parmi ces défenseurs donc, d'une émancipation nationale, et non plus individuelle des Juifs, figure l'historien juif Simon Dubnow. Simon Dubnow donc, n'est pas bundiste, mais il est folkiste. Et il est tout à fait favorable donc, à cette émancipation nationale, qui passerait dans un futur empire russe démocratisé, mais toujours multiethnique, par l'existence d'un parlement juif, donc seuls les juifs éliraient donc des représentants et qui n'auraient pas autorité sur tout, mais en particulier sur le domaine culturel ou éducatif. Et donc en ce sens, Dubnow et les folkistes, et évidemment les bundistes, ne souhaitent absolument pas extraire le judaïsme d'Europe. Le judaïsme reste une part intégrante de l'Europe, à deux titres selon Dubnow. D'abord au titre de l'ancienneté de la présence juive. Il parle donc des générations enterrées sur le sol européen. Et puis au titre, deuxièmement, eh bien, de l'apport des Juifs en tant que nation historico-intellectuelle, de leur apport à la construction donc, de cette Europe. Et en ce sens, eh bien, Dubnow vitupère contre les sionistes, qu'il considère comme des lâches à vouloir quitter l'Europe. Il y a des tensions importantes entre ces deux mouvements, même si au début, au moment de leur naissance, dans les années 1890, ils naissent dans les mêmes villes. Souvent, ils utilisent un peu les mêmes langues. Enfin, c'est un moment où les sionistes parlent encore yiddish. Bon, après, évidemment, il y a une espèce de combat culturel qui oppose les bundistes yiddishistes d'un côté et les sionistes hébraïsants de l'autre.